Allez, salut tout le monde, c'est Tazro Kiperacia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 276 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, nous avons commencé le troisième scénario à mode difficile pour obtenir la Scutula d'or à mode difficile, dans lequel, souvenez-vous, il fallait tout simplement éliminer tous les preneurs de forts et prenez tous les forts avant que l'arbre mojo, enfin que le vénérable arbre mojo ne soit en danger. Chose que nous avons à mon avis bientôt réussi. Donc écoutez les amis, aujourd'hui nous continuons cette aventure encore et logiquement on obtient la Scutula d'or aujourd'hui. Normalement je dis bien, on n'est pas à l'abri d'une petite bricole. Et attendez, il est en danger, bientôt non? Vénérable arbre mojo, ça va. Il n'y a pas un danger, il n'y a pas de d'ennemi plus important. Ouais, il faut regarder un petit peu de partout. Attention, attention. Oh. Ok. Ok. Bah oui. Mon gars, tu t'attaques à une... avec... enfin, un ennemi avec de l'eau, quoi. Faut pas s'étonner, hein. Merci. Ok. Attendez. Plus coriace que prévu. Après le grand arbre de... Quoi? Il y avait des lettres en moins, non? J'ai pas pris le grand arbre de l'E. Ah, de l'Est? Oui, ok, putain. Oh lolo, oh lolo. Ah ouais, j'y suis pas du tout, quoi. Place, ok. Bon, bah écoutez les amis, on va pouvoir terminer ce scénario en fait pratiquement, parce que on a bientôt réussi l'objectif final. Alors on va à mon avis laisser quand même une personne au milieu pour la Scutula d'or, parce que j'ai bien peur que la Scutula d'or soit positionnée à un endroit assez bâtard. Donc je préfère la laisser au milieu. Boum. Hop. Merci. Hop et slash. Putain, c'est génial. Honnêtement, c'est génial. Boum. Voilà. Bon, maintenant, on peut aller... on peut aller défendre le fort du haut, tout simplement. Enfin, on peut aller, en tout cas, prendre le fort du haut. Parce qu'ils sont vraiment très nombreux ici. Par contre, il n'y avait pas de preneur de fort ici. Ils ont un peu consommé. Alors peut-être je m'en souviens plus, hein, chose qui est possible. Oh, là par contre, on va vraiment pouvoir se faire un slot d'ennemi. Laissez tomber. Et slash. Oh oui. Ok. Okay. On vient de tout défoncer. On vient de tout défoncer. Oh putain, la garde. Le garde. Merci. Oh non, non. Ok. Bah oui, t'es con. T'es vraiment con. Je suis là, moi. Tac. Toujours, hein, toujours des matériaux. C'est ce qui est le plus important aussi. Hein. Ok. Merci. Tac, 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 tac. Boum. Ah, par contre, hein, au niveau des batailles alléantes. Avec cette arme, c'est trop cheaté, non? Avec cette arme, honnêtement, c'est trop cheaté avec les batailles alléantes. Enfin, je dis ça, attendez, hein, on l'a jamais testé sur des batailles alléantes, mais honnêtement, ça a l'air très très cheaté. Je sais pas, peut-être pas, peut-être oui. Ah, oui. Ok, on a... C'est ça. Bon, maintenant, on va sauvegarder, parce que la Scutula d'or peut apparaître là, hein, donc on va sauvegarder. Donc voilà, et on va même re-sauvegarder pour être sûr que nous avons sauvegardé. C'est bon, on a bien sauvegardé. Donc là, on va vite ordonner à Impa de venir avec moi pour défendre la base. Et on va laisser Shake en bas, hein, je vous le dis. Donc évidemment, c'est Goma, hein, qu'il faut affronter. C'est pas nouveau.
Goma, Cyclope, Démoniaque, Cuirassé. Ok, les preneurs de fort. Ok, vite. Donc on va laisser Link là, hein, je vous le dis. Toi, t'es mort. J'ai compris ce qu'il fallait faire. Bon bah ok. On récupérera le truc tout à l'heure. Ils sont en train de vraiment de défoncer le chef de poste. Alors qu'il n'y est pour rien le pauvre. Il n'y est pour rien. C'est moi qu'il faudrait défoncer en priorité, non? Hop. Voilà. Ah, il y en a d'autres en plus là-bas, d'accord. Hop. Et ben voilà. Voilà. Ok, Goma va changer de cap. Et c'est là où ça peut devenir compliqué. Ordre. Ordonner. Ah, c'est bon, ils ont apparu. La sculpture là est apparue. Link, s'il te plaît, va là. Va aider. La sculpture l'adore. Passe à l'attaque en sautant sur l'arbre mojo. Normalement, c'est ici. C'est ici? Logiquement, hein. Oui, la sculpture l'adore. Vous avez vaincu une sculpture l'adore, vous avez obtenu un morceau d'illustration. Bon. On n'a pas loupé de matériaux. Nous avons loupé un peu trop. Merci. Allez, go. Attention. Ok. Non. Et voilà. On peut ordonner. Non. Elle va venir, c'est normal. Tac. Allez, go. Ok. Ok, ok, ok. Entre avec la baguette de feu, ça va être horrible. Il faudrait qu'on s'entraîne, hein. C'est pour ça que je l'utilise, hein. Sinon je l'utiliserai pas. Mais il faut qu'on s'entraîne un petit peu, quoi. Ça va être horrible avec la baguette de feu, je vous le dis. Très bien. Merci. Voilà. Ok, ça c'est fait. Il nous en manque, ouais, il nous manque une dernière fois. Ah bah on l'aura bien géré en tout cas ce boss avec la baguette de feu finalement. Par contre, non. Ah oui. Allez, viens. S'il te plaît, viens. Merci. Voilà. Tac. Ah bah voilà, éliminer Goma. Bon, matériau rare. Bon bah écoutez, on aura réussi. On aura réussi. Bon bah écoutez, la sculpture d'or est dans notre poche, hein. Écoutez, la sculpture d'or est dans notre poche. Alors honnêtement, ça aurait été une sculpture d'or pas très difficile. Maintenant je vous laisse suivre la cinématique, on parlera tout à l'heure. Oh oui, cinématique. Oh, j'adore. J'adore ces cinématiques. Honnêtement, mais putain. Y'a que moi. Je pourrais me les voir toute la journée. Honnêtement. Je pourrais les voir toute la journée. Voilà, Sam, fais 10 heures sur cette cinématique. Fais 10 heures sur les cinématiques de Hyrule Warriors. Si, bon, il ne regardera jamais mes vidéos, mais... Je me dis, peut-être... Quelqu'un peut lui dire, ou ça peut être un mème, ou mon truc peut buzzer, et du coup, il va vraiment le faire. T'imagines? Oh, dites-vous que ça serait énorme, parce que du coup ça veut dire qu'il va y avoir une poussée de vente. Oui. Attira son attention. Je suis en surkiff, honnêtement. Je suis en surkiff. Même pas en kiff, en surkiff. Through her powers, the sorceress should have seen that the hero was bound to another. Et en plus, c'est bien fait, quoi. C'est honnêtement bien fait, quoi.
Si ça aurait été mal fait, ok, on pourrait gueuler. C'est super bien fait. Les cinématiques, les batailles, tout est bien fait. Bon, je vous avoue qu'il y a un truc qui est mal fait, c'est le petit réceptacle de cœur et fragments de cœur qui n'est jamais à sa place. Et la sculpture d'or qui aussi, le texte n'est pas très centré. Mais bon, sinon le jeu est parfait, honnêtement, j'adore, je suis très fan. Certes, c'est répétitif, mais au contraire, c'est ce qui peut perfectionner votre stratégie, même carrément changer de stratégie. Imaginez si c'est un truc qui est tout le temps changé. Honnêtement, je pense que beaucoup s'en lasseraient dû au fait qu'ils ne peuvent pas, on va dire, progresser en skill. Là, vraiment, vous pouvez progresser en skill. Of course, this evil had its own desires. To use the Triforce to resurrect itself and conquer Hyrule once again. Having pushed the light from her heart. Bien, c'est Sia, hein. Vous savez pas qui est la personne devant là, en train de créer le portail et tout. Sia. Hein. Monsters from across the ages pour through the gate, bringing ruin to the land of Hyrule once more. Bon. Scénario de fait. Bah voilà. En mode difficile. Voilà. Pourquoi pas 11 000 rubis, vas-y, c'est donné. J'adore. Honnêtement, j'adore. 6 armes. Bon. Anomaly 88 de dégâts, 2000 ennemis requis. Bague bleue 88 de dégâts, attaque fort 3. Épée des démons 404 de dégâts, slot vide. Épée du mal 196 de dégâts, slot vide. Et baguette de feu 104 de dégâts, élément feu. Et caille d'argent 96 de dégâts, attaque fort 2 pour 4. Lourde épée de Gibdo, ça c'est parfait. Une acide de goma et 12 bandelettes de Gibdo. Un haricot magique, une noix bojo, 3 champignons suspects. Ouh! Ouh! C'est ça en fait! Mais attendez, mais je crois que c'est pas l'illustration qu'on a également dans la version de la première carte aventure là. La carte aventure qu'on nous a. Enfin, la carte à explorer. Je crois que c'est honnêtement. Donc ça veut dire qu'on a récupéré 4 sculptulador. 5. Attendez. Ah, mais non, mais attendez, il y a beaucoup sur le tram d'héros. Ouh là là, je sais pas. Alors, déjà, on peut voir le banni. Hein. Donc, c'est vraiment un boss rush. Donc, ça a l'air vraiment d'être une bataille qui va être horrible. Bon. Ouh, regardez à droite. Au moins 45 morceaux d'illustration récoltés. Stand amélioré. Niveau suivant, 90 morceaux. Les potions du flacon sont plus efficaces. Les îles qu'un concocté sont plus nombreux. Vous sentez le kiff? Ok, bon bah du coup la prochaine fois il faudra faire gorge de la nelle. Bon du coup on va un petit peu aller voir la badgerie et aller voir du coup les nouveaux élixirs concoctés. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un truc avec Impa déjà pour commencer. Avec Shake bien sûr, Impa bien sûr. Des baffes dans la gueule surtout. Grand Crust 3 permet d'infliger d'importants dégâts aux ennemis quand ils se protègent. Cela requiert une écaille de Ruto sur 4, 2 étincelles du Pyrodactylus sur 20, on en a 20, et 2 lourdes épées de Gypto sur 4 et 5000 rubis. Grand Crust 3 va être créé, voulez-vous continuer? Oui. Voilà, badge ultra rare, j'aime beaucoup, le badge Grand Crust 3 a été créé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre? On dirait pas. Ouais. Ici peut-être? Ah ah, regardez, ici on peut faire quelque chose avec Impa cette fois-ci. Vrai Impa. Bouclier Mi-Ward réduit les dégâts subis quand les ténèbres sont l'élément efficace. Cela requiert une barrette de Lana sur 77, une robe d'Insiro sur 1 et un collier d'âme sur 80 et 3000 rubis. Bouclier Mi-Ward devait être créé, voulez-vous continuer? Bien sûr. Le badge Bouclier Mi-Ward 2 a été créé. Ok. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre ou pas du tout? Ah, regardez, avec Sia. On continue avec la tunique Goron 3, réduit beaucoup les dégâts subis quand le feu est l'élément efficace. Cela requiert une pousse de mandala sur 4, une botte de ligne sur 24 et deux gantelets de les alphas sur 2 et 5000 rubis. Tunique Goron 3 va être créé, voulez-vous continuer? Bien sûr. Le badge tunique Goron 3 a été créé. Voilà, c'est nickel. On continue, est-ce qu'il y a d'autres choses? On dirait pas. Non, et ici peut-être? Rien du tout. Non, rien du tout. Bon, bah écoutez. Oh, bon, on va aller voir du coup l'histoire de l'apothicaire. Quel élixir qu'on peut
T'es... Hey, regardez, maintenant on va pouvoir voir nos badges ultra rares, ça c'est bien. Alors du coup on va tout simplement voir déjà nos badges rares, hein, tout simplement. Enfin nos badges communs, pardon. Donc on peut voir qu'en termes de badges communs, logiquement on est assez à l'aise. Oui on est... Ah par contre la forêt de Groblin, ça il nous en manque toujours, hein. aïe. En termes de matériaux rares, donc 6 crinières de canon. Attendez, what? Bon, ça je comprends parce qu'on en a tué plein dans le défi des boss. Ben, dans le défi des boss, dans le. Oui, mais dans le, aussi dans le Ganon Fury, dans le défi. Dans le. Oui, Ganon Fury, je crois que c'est ça. Attendez, c'est Ganon Fury normalement. Attendez, j'ai un gros doute. Le mode Ganon, je sais, mais. Normalement, c'est marqué. En anglais, je sais que c'est Ganon Fury, mais. Et bon, on va dire Ganon Fury parce que c'est mode Ganon, oui, mais. On va dire Ganon Fury. Donc, ok, donc, acide de goma. On regarde un petit peu, hein. On regarde un petit peu. Bon, ça, pff, ça. Oh là là, ceinture de Gyrheim. De Gyrheim, mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses, hein. Vers le bas. Oh oui. Ah oui, les poupées d'âme de glace. À chaque fois, ça. Oh, ça, pff, ça, c'est les trucs qui permettent de tout débloquer derrière, quoi. C'est ça qui est chiant. Ok. Carpe de maître de fantôme de Ganon. Ah oui! Cap du fantôme de Ganon, plume du roi Kuras. Ok. Et maintenant, on va aller voir les matériaux ultra rares. Et ça, c'est parfait. Alors, notamment, du coup, on peut voir. Hein, pouce de mandala. C'est rien, je vais tousser un petit peu. Pouce de mandala, les gemmes du Pyrodactylus, pilier de bannier. Oh, ça, par contre, on en a plus beaucoup. Hein. Il ne reste plus qu'un seul. Ça serait honnêtement bien d'en obtenir une autre. Ok, lance de dragon de Volga, Bagin Zero. Bon, par contre, les capes de Lana, on est vraiment très aisé, donc il n'y a pas de souci. Plastradimpa, Turmond Shake, Kai de Ruto. Cap de Gyrheim. Une épée du fantôme de Ganon. On a réussi à obtenir ça en ultra rare, je m'en souviens même plus. Et demande de Tingle. Ah oui, les minerais du roi Dodongo et les cristallines de Goma qu'on n'a même pas vu. Ok. Ok. Est-ce que nous avons débloqué d'autres choses avec ça? On peut faire quoi d'autre? Il y a 3, donc j'imagine qu'on peut aller uniquement jusqu'à 3. Donc rang 1, rang 2, rang 3. Butin, ça c'est pour obtenir plus d'armes. Ok. Ça c'est pour élever un peu les rangs des matériaux obtenus. Arme à plus d'étoiles obtenues. Ok. Arme un peu plus d'emplacement obtenu. Capacité d'attaque. Oh! Beaucoup plus de capacité d'attaque obtenue. X d'élément 1, d'élément 3. Versus 1, beaucoup plus de capacité en contre obtenu, ok. Collecte 1, collecte 3. Beaucoup plus de capacité collecte obtenu. Par contre, ça, honnêtement, j'adore parce que ça veut dire que, logiquement, c'est pour les matériaux. Donc imaginez sur une carte, honnêtement, sur une carte où il faut éliminer, par exemple, un tel et tel nombre d'ennemis, sur un défi des boss, par exemple, ça pourrait être génial. Ok, tout le reste. Par contre... 175 000, wow, 25 000 rubis, oh, ils sont niqués ou quoi? Elixir expérience plus, permet d'obtenir plus de points d'XP, plus de points, plus de rubis. C'est rien, j'ai été un peu surpris par le chat en fait, juste parce que le chat absorbe la magie des boss, géant, excel de nourriture. Obtenir plus de nourriture, alors ça par contre c'est parfait pour les fées, pour plus tard, obtenir des aliments de luxe encore, oui, donc ça c'est le mieux. En fait... Un des deux, c'est le mieux. De poissons. Ah, d'accord. Plus de poissons, plus d'aliments bizarres. De poissons, végétaux. Ok. Donc, le prochain rang, c'est 90. Ah oui, regardez, dans le flagon, on rend 10 cœurs d'énergie et remplit la jauge de coups fatals. C'est déjà bien. Alors, par contre, on est bientôt avec Link niveau 80. Ok, c'est trop cher. C'est trop... Ouais, non, mais non, on va pas le faire. Bon, bah écoutez... Écoutez, on a vraiment pris connaissance des nouveaux potions qu'on peut faire dans le futur, donc c'est déjà très bien, et que même qu'on pourra faire dans le futur. Peut-être, honnêtement, ça pourrait nous aider dans le défi des boss, hein. Je sais pas, honnêtement, mais le truc, c'est de le faire avec des potions, c'est trop cheaté après, oh. C'est pour ça que je veux vraiment pas le faire avec des potions, quoi. Je le ferai quand je serai vraiment bien haut niveau, avec des armes badass et tout, parce que, voilà, quoi, ça fait un peu chier. Ah oui, ça fait un peu chier, quoi. Mais bon... Notre prochain objectif, les amis, c'est le quatrième scénario, tout simplement, de la trame des héros.
avec la sorcière de la vallée noire dans la gorge de l'Anel, un mode difficile dans lequel il faut récupérer une sculpture d'or. Un mode difficile évidemment avec Link, hein, parce qu'il faut utiliser tout simplement l'épée à une main, donc on utilisera la plus potable. Hein, on a par exemple expérience plus, aliment rare plus. Là il y a un petit matériau plus, honnêtement, pourquoi pas. Honnêtement, pourquoi... Ah ben non, on en a déjà un. Alors, on a déjà notre Saint Graal qui est ici. Alors, peut-être, on va peut-être pouvoir passer 81. C'est déjà bien, au moins, et ça permettra de gagner un petit peu plus de vie, peut-être, un petit peu plus de vie, et un petit peu plus d'attaque, hein, pour le défi des boss. C'est utile, très utile, et surtout, quand on fera le mode héroïque, hein. Je vous rappelle, c'est un mode, comme son nom indique, héroïque, donc c'est un mode qui va être... très compliqué, extrême, donc il faut s'y attendre. Mais bon, moi je m'arrête là, j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous en remercie de m'avoir suivi pour cet épisode, et tout simplement, on progresse, on avance très bien, on est à l'épisode 276 aujourd'hui, plus beaucoup pour terminer cette session du mode légende, donc soyez vraiment au rendez-vous pour le mode, peut-être pas le mode défi, si vous vraiment vous voulez découvrir le mode Ganon, oui, parce que vous l'avez jamais vu, dites-vous qu'on va que farmer, hein, donc on va répéter... plusieurs fois une bataille, donc par vidéo, on va répéter une bataille, pour au moins farmer les niveaux et tout ça, et aussi, autre chose, le mode cocotte, hein, que vous, si vraiment les personnes n'ont jamais découvert ce mode cocotte, ben vous pouvez le découvrir avec moi, tout simplement, donc dans le mode défi, on découvrira tout simplement ce mode cocotte, et qu'on fera un rang S, enfin rang A, tout simplement, il n'y a pas de rang S, enfin, si, il y a un rang S, mais version japonais, là, c'est pas le japonais. Là on n'est pas en japonais, mais donc du coup c'est notre objectif pour le mode défi. Si vraiment vous voulez après peut-être nous suivre, si vous nous découvrez sur, enfin si vous me découvrez sur la version, enfin en tout cas sur ces vidéos actuellement, sur cette session d'Hyrule Warriors Definitive Edition dans le mode légende, pourquoi pas me suivre après, à partir de l'épisode 301, enfin 302, parce que le 301 c'est le farming, 302 de l'épisode, tout simplement des épisodes session, enfin de la nouvelle session que nous ferons dans le mode aventure. Donc je vous recommande tout simplement de rester avec moi et tout simplement de prendre votre mal en patience, et dites-vous que on s'en rapproche, hein, mine de rien, on commence à se rapprocher de cette histoire, et du coup, bah, d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey.